Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un swap. Donc pour moi, c'est un swap du cœur. Du cœur pourquoi ? Parce que en fait, j'ai fait la découverte il y a à peu près 4 mois d'une youtubeuse. En fait, en cherchant un tuto make-up, parce que j'adore regarder les tutos, j'ai découvert Anne-Claire. Donc je vous mettrai en barre d'infos sa chaîne. Et du coup, en fait, je cherchais un tuto sur cette palette. Et donc, Anne-Claire le proposait. Et en regardant un petit peu sa chaîne, je me suis rendu compte qu'elle était abonnée à la mienne. Donc, ça a été une surprise énorme. En fait, je me suis dit, enfin, la coïncidence, je ne savais même pas qu'elle était abonnée à ma chaîne. Parce qu'en fait, elle ne mettait pas de commentaires. Donc, ça a été une découverte vraiment... qui m'a touchée, Anne-Claire. Donc en fait, au mois d'octobre, je lui ai proposé un swap. Et pour nous, en fait, c'était vraiment un swap du cœur. Un swap qui nous ressemble, pas un swap qui était calculé. Parce que malheureusement, comme je disais à Anne-Claire, on m'avait proposé un swap d'une youtubeuse. Je ne citerai pas son pseudo parce que je n'ai pas envie de faire des histoires. Mais voilà, sur certains swaps, en fait, on vous dit, vous devez acheter ça qui est sur votre wish list. Donc, en fait, vous achetez. Il n'y a plus ce côté humain où, en fait, nous, on fait découvrir aux gens ce que l'on aime. Ou alors, vous voyez, moi, j'ai vu des choses que Anne-Claire aimait. Donc, j'avais envie de lui faire partager. Et pour moi, c'est ça un swap. C'est de faire découvrir des choses aux gens. Voilà, enfin aux youtubeuses qu'on adore. Voilà, c'est de faire découvrir des choses et pas dire, voilà, j'ai une wishlist, donc tu m'achètes ça, 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 ça. Donc Anne-Claire, ça a été une découverte énorme pour moi. Parce qu'en plus, on a eu, je pense qu'elle vous en parlera aussi, je l'ai suivie avec ses petits aléas de la vie quand il a fallu qu'elle aille chercher mes colis. Donc voilà, c'est une belle découverte. Donc n'hésitez pas à aller sur sa chaîne et puis à vous abonner quoi. C'est une personne en or qui fait des choses extraordinaires. Donc on commence. Alors je vais essayer de rester... fort parce que déjà, enfin tout à l'heure justement, je l'ai eu au téléphone. Donc j'ai ouvert un peu parce qu'en fait c'était emballé, très bien emballé. Parce que moi sur mes colis, j'ai eu des petits soucis avec justement Mondial Relais qui ont ouvert, regardez ce qu'il y avait à l'intérieur. Donc du coup, elle avait très bien emballé. Donc quand je vois tout ce qu'elle m'a envoyé, enfin vraiment, ça me touche énormément. Donc on commence par une petite enveloppe comme ça. Alors Anne-Claire a sa propre société justement où elle crée des choses elle-même au niveau de la broderie. C'est magnifique, regardez ce qu'elle fait elle-même, c'est juste magnifique. Waouh, franchement, quand j'ai vu ça, c'est trop trop beau quoi. Bravo ma belle, franchement magnifique quoi. Donc elle fait ça elle-même. Et du coup, donc à l'intérieur, en fait, je lui avais dit que moi, mes beaux-parents m'avaient offert une machine à coudre et que j'adorerais, en fait, pouvoir faire des choses moi-même. Mais simplement, en fait, aujourd'hui, je ne pense pas être capable ou je ne prends pas le temps. Et regardez ce qu'elle m'a mis. Alors ça, c'est trop fort. Regardez, elle m'a mis un patron pour faire une robe de princesse pour Lilou. Alors ça, c'est génial. 4, 6, 8 ans. Et à l'intérieur, vous avez un patron pour faire une robe effet duo, comme ça. Génial. Donc ça, je vais le faire avec mon beau-père qui m'a offert justement ma machine à coudre de chez Lidl. Donc je vais voir pour faire ça, quoi. Et puis je vous montrerai sur Instagram le résultat, mais je trouve ça génial, quoi. Faire soi-même une robe comme ça de princesse pour ma fille, c'est top, quoi. Et puis là, le petit papillon, il est juste magnifique. Donc, je vais voir pour le mettre... là, derrière, qu'il soit toujours avec moi. Il est trop beau, quoi. J'adore, ça brille. Ensuite, nous avons comme ça... Alors, je vous montre pas le carton parce qu'il est trop gros, il est trop lourd. Et puis, du coup, le porter, je peux pas. J'ai pas la place. Donc, je vous montre. Donc, on a une boîte comme ça. Donc, en fait, elle a mis ça dans des boîtes pour éviter que ça se promène. Donc, je l'ouvre. Hop.
Et à l'intérieur, on a ça. Regardez. Regardez déjà, là. Donc, c'est elle qui a fait ça elle-même. C'est juste magnifique. Franchement, c'est trop, trop joli. Et donc, on a comme ça une petite pochette de la Beautiful Box. Donc, trop jolie. Rouge avec des petites paillettes comme ça. Et là, je vais ouvrir. C'est Noël avant Noël. Donc, trop, franchement, je suis trop contente, quoi. Donc, j'ouvre. Alors, à l'intérieur, donc on a une petite carte comme ça. Donc, c'est un... Oh Alors, c'est un soin de nuit cheveux nourrissant et réparateur. Comme quoi, vous voyez, c'est vraiment un swap du cœur. Parce que justement, vu que je mets souvent dans mes vidéos que j'adore les trucs pour les cheveux. Donc, c'est génial, quoi. Donc, c'est un soin de nuit cheveux nourrissant et réparateur de Kios Paris. Donc, c'est un soin. Et puis, moi, j'ai jamais testé les produits de la Beautiful Box. Alors, bio, pas la bio, Beautiful Box. Ensuite, on a un soin pour le corps de chez Baija. Et là, on a une encre à lèvres fini mate, donc de DWTN Paris. Alors, je vais découvrir tout ça. Alors, un soin pour le corps, citron, donc passion fruit. Ça, ça doit sentir trop bon. Alors, je vais enlever le petit percule. Hop. Oh, ça sent trop bon. Ça sent trop bon. Alors, des fois, dans la... Oh, ah, bah, 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 j'ai des bugs sur les box. La Birchbox. Oui, c'est ça. La Birchbox. Des fois, justement, on retrouvait des trucs comme ça de cette marque. Et c'est vrai que ça avait des odeurs vraiment très, très agréables. Donc, je suis super contente à découvrir. Parce qu'en ce moment, je mets les Cilcé, là, qui sentent très bon. Ensuite, alors là, là, je suis trop contente pour mes cheveux. Donc, une huile pour les cheveux. Alors ça, soin de nuit. Alors, je suis vraiment intriguée de tester ça parce que moi, j'adore tout ça. Je vais sentir, voir si ça a une odeur. Ça n'a pas d'odeur. Oh, mais je vous dirai bientôt. Franchement, j'adore, quoi. Je suis fan. J'adore. Et là, donc, un lipstick mat. Alors, la couleur, elle est juste magnifique. Je vais regarder parce que là, celui que je mets et que je n'arrive pas à enlever parce que je trouve que... Enfin, c'est le seul qui est qui me correspond. C'est celui de Sananas. Hein. Et d'ailleurs, ça fait un peu le même type de couleur, je trouve. Je vais vous le swatcher. Oh, il est trop beau. Ça fait un peu un vieux rose. Magnifique. Waouh, ça va être trop joli. Regardez la couleur. Magnifique, quoi. Il est... Oh, ça ressemble un peu à ce que j'ai. Hein. Donc, c'est... on voit que, justement, on se connaît. Hein. Magnifique. Franchement, il est trop beau, quoi. Donc, c'est une encre à lèvres. Donc, normalement, je pense que les encres à lèvres, ça tient mieux que les lipsticks. Donc, à tester. Franchement, et puis la pochette, elle est trop jolie, quoi. Magnifique, merci beaucoup ma belle. Et là, attendez, hein, c'est pas fini. Hein. En plus de ces choses magnifiques, il y avait justement une petite, un petit paquet. Oh, regardez comment c'est trop joli. Bon, à côté, j'ai mis ça dans du papier cadeau. Hein. Et là, c'est magnifique, quoi, avec le petit nœud et tout. C'est elle qui fait ça elle-même, quoi. Trop joli, regardez. Donc, avec les petits détails comme ça... Trop, trop, trop joli, quoi. J'adore. Alors, j'ouvre. Hein. Hop. Et là. Donc, nous avons... Alors, la... comme quoi, hein, on connaît bien. Alors, je les sors. Hein. Après, je vous dirai. Mais déjà, j'ai vu un truc et je me dis... voilà, c'est ça que j'aime dans le swap, c'est justement, voilà, de prendre des choses qui correspondent aux gens. Alors, j'ai pris, il y a deux petites cartes, alors je ne sais pas si ça va être associé. Alors, je mets ça. Alors déjà, première chose, là j'adore,
je suis fan, hein. C'est un shampoing naturel moussant, donc aux extraits d'amla et d'aloe vera. Alors ça, j'adore. C'est la marque Biotherme. Regardez, génial. Alors là, j'adore. Ça n'a pas d'odeur particulière, mais il est top, quoi. J'ai hâte de le tester. Donc, qu'est-ce qu'ils mettent? Donc, ça apporte de la douceur aux cheveux. Donc, il faut le mettre sur les cheveux mouillés et puis masser et rincer. Donc, je testerai, puis je vous dirai dans mes produits terminés ce que j'en pense. Mais franchement, top, j'adore. Et donc là, c'est... Ah là là. Franchement, j'adore. Là, c'est une crème pour les cheveux. Alors, top aussi. Alors, je vais l'ouvrir. Ah, franchement, moi, je suis fan des trucs comme ça pour les cheveux. À chaque fois que j'en ai dans les box, en général, je les garde parce que j'aime bien tester tout ça. Oh, ça sent trop bon. C'est quoi? Alors, c'est une crème cheveux. C'est de la marque Jolie. Donc, ils mettent crème soleil et mer. Grâce à son complexe ingrédient bio doté de produits incroyables. Donc, protégez vos cheveux. Donc, ils mettent appliquer une noisette sur l'ensemble de la chevelure. Et puis, il faut rincer. Donc, super. Franchement, je vais tester. Génial. J'adore. Moi, je suis fan de tout ça. Donc, j'adore. Et là, c'est un soin douche, donc essentiel, donc pour tout type de peau, corps et visage. Hein, c'est pas mal, ça. Oh là là, ça sent bon. Ça sent un peu l'eucalyptus. Oh, j'adore. Moi, je suis trop contente de pouvoir tester des choses comme ça. J'adore. Donc, c'est Bellessa, Maidin, c'est Vélénès. Excusez-moi si je ne le dis pas bien. Mais franchement, donc à utiliser dans la douche ou le bain pour laver, parce qu'ils mettent à la suite, délicatement votre visage et le corps. Donc génial. Donc super. Franchement, allez, je suis trop contente de pouvoir tester des choses comme ça. J'adore. Donc deuxième petite boîte. Alors... Du coup, je prends. Donc, c'est dans un petit sac comme ça. Ah ah. Wow, beautiful box. Alors, je vais mettre ça ici. Oh. Alors, du coup, j'ouvre. J'ai des petites pochettes comme ça. Donc, elle a fait elle-même aussi. Trop jolie. Alors là, j'ai pour tes lèvres soin douce. Regardez comment c'est trop joli, quoi. À côté, moi, j'ai mis ça dans des papiers cadeaux, quoi. Franchement, c'est trop joli. Magnifique. Alors, j'ouvre. Hein. J'adore les swaps. L'impression d'être une petite fille. Alors, à l'intérieur, donc c'est emballé comme ça. Donc, nous avons douceur aux karités, soin réparateur, lèvres et contour des lèvres. Donc ça, c'est génial. Franchement, c'est top, quoi. Parce que moi, je mets beaucoup des gloss pour les lèvres, justement, pour éviter qu'elles sèchent. Et contour des lèvres, alors, je ne connaissais pas du tout. Je savais pour les lèvres, mais contour des lèvres. À tester, c'est génial. Franchement, je vais sentir. Car ça sent pas d'odeur en particulier. Alors, je vais regarder ce que ça donne au niveau de la texture. Ah si, ça a une odeur un peu de citronnelle. C'est rigolo. Est-ce qu'il y a du citron dedans? Ou alors là, ils mettent en anglais. Alors là, je ne saurais pas vous dire. Mais j'adore l'odeur. Franchement, ça a une odeur vraiment agréable. Franchement, à tester, top, quoi. Parce qu'un tout, un soin pour les lèvres et contour des lèvres, je connaissais pas du tout. Ensuite, alors, c'est emballé dans un... Oh, trop joli, quoi. Regardez, dans le détail, avec la dentelle comme ça, magnifique, le petit papier cadeau.
Non, c'est génial qu'on fait un swap comme ça, justement. Vraiment un swap qui est attendu, désiré. Je trouve que c'est génial, quoi. Parce que c'est vraiment son anniversaire ou Noël. Là, c'est génial. C'est trop joli, quoi. En plus, avec la dentelle. Justement, dans mon swap, tu verras aussi. Alors, il est trop joli, le papier cadeau, là. Alors... donc, le soleil caresse, donc c'est Aini, la marque, lait d'été pour le corps, donc c'est un lait hydratant, ça c'est génial. Ça, ça a l'air d'être un lait hydratant teinté. Alors, je vais tester, je vais regarder. C'est pour le corps, qu'est-ce qu'ils mettent? Ouais, c'est pour le corps, pour avoir une peau illuminée avant l'été. Donc ça fait ça, regardez. Oh, c'est sympa ça, ça fait un effet un peu bronzé. Je trouve que c'est super joli. Moi, l'odeur est super agréable. Mmh. Moi, j'adore tout ce qui est... Oh, en plus, c'est marrant parce que, vous voyez, là, je viens de l'étaler, ça fait un peu... Ça fait pas un effet un peu crème collante. Ça fait, après étalé, ça fait un effet un peu poudreux. Ouais, c'est étonnant la texture. On croirait en fait un fond de teint qu'on a mis sur la peau. Vous savez, quand vous étalez votre fond de teint, après ça fait un effet un peu poudré. Ouais, c'est rigolo. Voilà. J'ai hâte de tester, franchement, pas mal quoi. Lait pour le corps, comme ça, effet teinté. Super, merci ma belle, belle découverte. Je te dirai ce que j'en pense. Et là, alors là, elle est trop jolie. Ça par contre, pour le... Alors, dans cette pochette rigolote pour le corps, absolument rien de bio, mais j'ai trouvé rigolo et c'est top. Et puis, tu auras tout sous la main, toi qui aimes les petits carnets. Ça, je trouve ça trop chou. Ouais. Ça, j'adore. Je trouve ça trop, trop mignon, quoi. Regardez. Donc, le petit, la petite tête d'oiseau et tout, c'est trop choupinou. Regardez. Oh, franchement. Oh là là. Alors, je vais essayer de l'ouvrir sans l'arracher, hein. Mais c'est trop choupinou. Alors. Tac. Alors là, déjà, alors j'ai mes yeux, ils ont fait tic-tic-tic-tic, il y a un truc qui brille, quoi. Hein? Alors, ah là là, oh, alors, je le sors, hein, après je vais vous montrer. Déjà, je regarde moi, hein. Hop, oh, tout choupinou. Alors, hop, alors, je remets bien mon serre-tête. Gel douche Pina Colada. Alors ça, franchement, bien quoi. Ah, je savais même pas que c'était la marque Lidl, enfin pas Lidl, mais Intermarché qui faisait ça, regardez. Gel douche Pina Colada, quoi. Alors là, tu pouvais pas mieux tomber. Parce que j'adore en plus les Pina Colada. Hein, et me laver et sentir mon alcool préféré. Avec le mojito, hein. Oh là là, ça sent trop bon. Ça sent un peu, ouais, la noix de coco, j'allais dire. Oh, c'est top. Franchement, c'est top. Je savais même pas que, justement, Inter faisait ça, quoi. C'est génial. Donc, c'est aux extraits de noix de coco et d'ananas. Franchement, génial. Je vais le tester ce soir. Top, je te redirai. J'adore. Ensuite... Donc, on a un petit masque, donc réduit et prévient l'apparence des boutons. Alors, ça, c'est bien parce que là, vous ne le voyez pas parce que je camoufle ça sous mon fond de teint. Mais c'est top, quoi. Franchement, c'est génial. Regardez, un petit masque en forme de tigre. Alors ça va être génial pour faire une photo Insta. Top, quoi. Merci, ma belle. Et là, alors là, regardez comment c'est trop joli, quoi. Regardez, magnifique, un petit cahier comme ça pour marquer.
Alors ça, c'est génial parce que moi, à chaque fois, hein, j'ai toujours besoin d'un cahier pour marquer mes choses dessus. Je prends un cahier, j'en reprends un et puis j'en reprends un. Franchement, génial. Oh, et puis du coup, je viens de voir. Alors, je remets mon serre-tête parce que du coup, ça me serre un peu la tête. Là. Ça me... Hop, voilà. Et là, je viens de voir un petit mot. Alors, coucou ma toute belle. Lorsque j'ai vu ce carnet, dans mon esprit, c'était une évidence qu'il était destiné à toi, qui aime les paillettes. Oh, c'est vrai. Oh là là. En espérant qu'il te plaira. Plein de gros bisous. Ah, franchement, oui. Ah, franchement, trop. Regardez. Ah, j'adore. Franchement, j'adore. Puis oui, il est trop beau. Il est trop, trop beau. Regardez. Avec les petites paillettes comme ça. Franchement, merci. Ça me touche vraiment beaucoup, quoi. Troisième petit paquet. Donc, j'ai pris au hasard. Donc, c'est dans un petit sac comme ça, rose. Alors, je prends. Hop. Je vais mettre ça là. Donc, c'est dans une boîte comme ça, Beautiful Box. Hop. Waouh. Regardez. Alors, ça, c'est top, quoi. C'est plein de produits qui me donnent envie. Donc, je commence par celui qui est bleu. Alors, waouh. Donc, c'est la marque Vichy. Donc, c'est un gel nettoyant purifiant profond. Alors, ça, c'est génial. Parce que j'adore aussi tout ce qui est produit pour nettoyer le visage. Après, c'est démaquillé, justement. J'adore, moi, me nettoyer le visage. Donc, avec les produits cheveux, c'est vraiment ce que j'aime. Donc, super, Vichy. Je vais sentir l'odeur. Oh, ça sent bon. Ça sent trop bon. Ça sent une odeur de frais. Franchement, génial, quoi. Je suis trop contente de pouvoir tester. Top, quoi. En plus, Vichy, c'est vraiment un truc chouette, quoi. J'ai pas beaucoup de produits. Justement, dans un de mes swaps, j'avais eu un produit de la marque Vichy. Donc là, top, quoi. Franchement, super. Merci, ma belle. Je suis trop contente de pouvoir tester. Je vais le tester ce soir en me démaquillant. Et là, alors, waouh, Vichy. Donc, c'est Purel Thermal. Un démaquillant intégral peau sensible. Donc, donc c'est 3 en 1. Alors, ça, génial. C'est un lait, une lotion, un démaquillant pour les yeux. Oh, ah, franchement, génial, quoi. Vous avez vu la taille en plus. Donc, top. Merci, ma belle. Franchement, ça sent trop bon. Et c'est vrai que la marque Vichy, j'ai pas spécialement l'occasion de pouvoir tester. Pourtant, ils font des trucs vraiment top, quoi. Franchement, top. Je suis vraiment, vraiment contente. Donc ça, se démaquiller, après se nettoyer le visage dans ma routine soin, c'est génial. Franchement, je suis trop contente, quoi. Merci beaucoup. Hein. Et du coup, là, c'est un intensif super conditioning, hein, avec mon accent de dingue. Pré-shampoing, donc c'est apparemment un après-shampoing. Alors, top. Pouvait pas mieux tomber, hein. Alors, ça n'a pas spécialement d'odeur. Je vais regarder. Qu'est-ce qu'ils mettent dessus? Donc, c'est de la marque alors Philippe Elasticizer. Je ne connais pas du tout. C'est génial. Moi, j'adore tester, en fait, plein de trucs comme ça pour les cheveux. Alors, après, on découvre vraiment des choses top, quoi. Alors, ça n'a pas d'odeur en particulier. Après, à voir, je vous dirai vraiment dans une vidéo des produits terminés ce que j'en pense. Mais franchement, à tester, je suis trop contente, quoi. Du coup, je le testerai demain. Il faut que je me lave les cheveux. Ça tombe vraiment très, très bien. Donc, génial. Franchement, merci, ma belle. Tape dans le mille, quoi. Alors, là, du coup, j'ai une belle boîte avec une petite fille. Regardez comment c'est trop mignon. Petite boîte comme ça. Ah ah. Du coup, je vais l'ouvrir. Alors là, j'en connais une qui va être folle. Enfin, quoi que moi aussi, hein, après. Alors, du coup, je vous montre. Alors, du coup, moi qui voulais perdre un peu de kilos, je pense qu'il va falloir que j'attende début janvier. Hein? Regardez. Ah, c'est génial, j'adore. Donc, du coup,
Merci pour maman, Lilou, Mathéo, puis papa, hein, parce que je pense que papa aussi va se faire plaisir. Donc on a un paquet de Haribo Tagada comme ça, hein. C'est top. Ensuite, oh alors ça c'est quoi, une baguette magique Dream Lumineuse. Oh c'est génial ça. C'est... Alors, j'ouvre pas hein, parce que du coup je laisserai Lilou ouvrir. Il fait un petit une pochette comme ça avec une baguette magique. Alors, du coup, ce que je fais, c'est que je l'ouvre pas. Je laisserai Lilou l'ouvrir. Et puis, je vous mettrai sur Instagram la petite vidéo, la petite photo où elle l'ouvre. Mais c'est génial, quoi. En tout cas, merci beaucoup déjà de d'avoir pensé à mes enfants, quoi. Ça me touche vraiment beaucoup. Top, quoi, une petite baguette magique. Après, je me demande si moi, je vais pas la prendre, la petite baguette. Parce qu'elle a l'air d'être chouette, quand même. 67 cm de hauteur. Regardez. Top, hein. Oh, elle a encore des... Alors, Star Wars. Alors, 7 paquets avec des stickers Star Wars. Alors, ça, c'est génial aussi. Parce que, justement, ce qui m'a énormément touchée avec Anne-Claire, c'est que moi, j'ai un fils aujourd'hui. Hein, il a 13 ans. Hein, c'est un ado. Et justement, elle me demandait ce qu'aimait mon fils. Donc, je trouve que déjà, l'intention comme ça de penser aux enfants de l'autre, je trouve que c'est trop gentil, quoi. C'est vraiment trop gentil. Et c'est ça, c'est ce côté humain, quoi. Enfin, voilà, c'est d'offrir, de partager. Et là, du coup, il va être trop content. Parce qu'il adore Star Wars. Hein. On était parti justement à Disney où il s'était déguisé en... Bon, je ne saurais même pas vous dire, quoi. Je sais que c'est un Jedi. Donc, génial. Il va être trop content. Donc, un petit paquet comme ça, Star Wars. Donc, c'est des biscuits plus autocollants. Donc, c'est pareil sur Instagram. Pour les abonnés Instagram, je vous mettrai une photo de mon fils avec un biscuit. Et là, hop, un petit livre. Donc, les contes... Alors, c'est les contes rouges du chat perché. Ah, ça, c'est génial, parce qu'en plus, Lilou adore lire. Puis moi, j'adore lire, justement, des histoires. Donc, je trouve que c'est génial. Je ne connais pas du tout ce conte. Alors, à découvrir, c'est top. Et puis, franchement, même par rapport à mon travail, justement, tu sais le travail que je fais. Donc, c'est génial pouvoir raconter des histoires aux enfants. C'est vraiment génial, quoi. Franchement, merci, ma belle. Vraiment, merci d'avoir pensé à mes enfants, quoi. Ça me touche beaucoup. Après, maman, elle va prendre des bonbons Haribo. Mais je me dis que je commencerai mon régime début janvier. Voilà. J'aurai le droit de manger des petites fraises Tagada avant. En tout cas, merci beaucoup. Donc, c'est une boîte comme ça, avec donc évidence. Donc là, hop, je vais l'ouvrir. Alors là, du coup, regardez. Elle a mis à l'intérieur comme ça, parce qu'en fait, elle n'a pas mis dans le carton directement pour éviter que ça se promène. Donc, elle a mis comme ça, des petits paquets. Et donc, à l'intérieur, nous avons « Même tes pieds ont le droit à leur routine ». Alors, je ne dirai rien parce que c'est des choses qui me sont personnelles. Mais c'est vrai que, bon, voilà, des fois, je devrais prendre autant soin à mes mains qu'à mes pieds. Mon mari me le dit souvent, voilà. Parce que c'est vrai que moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup marcher pieds nus. L'été, pour moi, c'est jusqu'au mois d'octobre. Donc, j'adore les tongs, hein, même au mois d'octobre, même s'il fait froid. Et souvent, on me dit, oh là là, tu devrais prendre soin à tes pieds parce que t'as les pieds secs. Alors ça, voilà, c'est génial. Voilà, je vais la donner ce soir à mon mari, qu'il me masse les pieds. Donc c'est super, franchement, crème pour les pieds. Alors, top. Je vais sentir l'odeur. Oh, ça sent trop bon, ça sent trop bon. Franchement, l'odeur, vraiment top, 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 quoi. Et du coup, ils mettent quoi alors? C'est issu du territoire de l'Aube en Champagne. Donc, c'est un produit bio. Franchement, génial, quoi. À tester. Alors là, t'as tapé dans le mille, quoi. T'as tapé dans le mille, tu vois. Mon mari me disait, ah, faut que tu mettes plus de crème sur tes pieds. Et ben voilà. Génial, franchement, génial.
Donc ensuite, à l'intérieur, oh là, je vois un petit truc trop mignon. Je vous le montrerai après. Là, j'ai, alors, ouvre-moi vite. Oh, je vais pas, si je l'ouvre vite, je vais tout arracher. Mais bon, vu que tu me dis d'ouvrir vite, je vais ouvrir vite. Hein. Hop, ah ah. Alors, c'est un rouge à lèvres de la marque Beau Naturel. Waouh. Alors, la couleur. Oh, ça sent bon en plus. Et la couleur est juste trop jolie. Alors, ça fait pas un rouge. Ça sent bon. Ça fait pas rouge ni bordeaux. C'est un mélange en fait entre les deux. Vous voyez, ça fait un peu ce style-là. Trop joli. Franchement, il est magnifique, quoi. Du coup, je le mettrai dans ma prochaine vidéo. Je le mettrai. Tu me diras ce que t'en penses. Mais magnifique. Donc, c'est la teinte 313. Je connaissais pas du tout. Beau Green Makeup Natural. Magnifique, quoi. Vraiment une très jolie couleur. Ensuite, alors là, c'est un petit bonhomme qui me fait de l'œil. Hein. Regardez. Ouais, franchement, c'est pas trop joli, ça. Hein. Regardez, trop mignon, quoi. Alors, qu'est-ce que il y a à l'intérieur? Oh, trop beau. Oh, franchement, trop, trop beau. Je vais l'ouvrir, ça fait un peu mal au cœur, d'ailleurs. Alors. Puis c'est, je vois là, regardez, c'est elle qui a fait tout ça. Regardez, elle a tout collé comme ça, avec les petits cheveux et tout. Trop joli, quoi. Donc, c'est marqué « Très étrange, c'est cosmétique. » Très étrange. Oh là là, je suis trop contente. Alors... J'ai essayé de l'ouvrir sans tout arracher parce que ça va vraiment me faire mal au cœur. Avec les petits cheveux et tout, c'est terrible. Oh, alors, je vais les sortir et après je vous les montre. Il fait la garder, la petite boîte. Elle est trop mignonne. Avec la petite moustache, la petite bouche et tout. Trop mimi, franchement, trop mimi. Alors, du coup, à l'intérieur, on a un shampoing solide pour les cheveux normaux et secs. Alors, moi, j'ai les cheveux secs. Un shampoing solide, je connais pas du tout. Oh, ça fait comme un savon. Ça n'a pas d'odeur en particulier, regardez. Oh, super original, je connais pas du tout les shampoings solides. Alors je sais qu'il y a une marque de trucs bio là qui fait ce genre de truc, mais je connais pas du tout. Alors est-ce que ça mousse quand on se les lave? Franchement, je suis vraiment intriguée de tester ce produit là. Franchement, à découvrir. Merci beaucoup parce que je connais pas du tout. C'est un produit bio, donc ça mêlit plante. Eh ben, écoute, à découvrir. Je connais pas du tout. Ensuite, donc c'est un élixir solide corporel. Alors là, pareil. Oh, ça sent bon, ça sent la noix de coco. Ah oui, c'est ça, coco. Donc appliquer le baume sur le corps en fine couche et masser. Alors ça, c'est mon mari qui va être content aussi. Hein. Oh, ça sent trop bon. Regardez, ça fait comme un petit gâteau en plus et tout. C'est trop mimi, quoi. Donc, apparemment, en fait, ça chauffe avec le massage du corps. Donc, à tester. Merci beaucoup. Un dentifrice solide à la menthe poivrée. Je ne connais pas du tout aussi. Voilà. Oh, ah, c'est trop rigolo. Et la forme. Oh, ça sent... Ça sent la menthe, mais pas la menthe forte. Oh, regardez, c'est super original. On croirait un bâton de glace, quoi. Alors, ils mettent quoi? Donc, déconseillé aux enfants de moins de 3 ans. Donc, ils mettent... tenez votre dentifrice de bâton et frottez-le sur votre brosse à dents sous l'eau chaude. Puis, rincez votre dentifrice dans votre verre à dents. Bah, écoute, je vais tester, je connais pas du tout
ce type de dentifrice. En tout cas, ça sent une menthe, mais une paille, ça sent vraiment la chlorophylle. À tester. Franchement, pas mal. Je vais faire tester à Lilou, on va voir ce qu'elle dit. Et ensuite, on a donc un savon de Marseille au lait d'anesse, douceur cosmétique bio. Donc, c'est un savon pour le corps. Alors, ça aussi, c'est génial. Franchement. Alors, je vais sentir. Ça sent bon. Ça sent vraiment le savon de Marseille. J'adore. Moi, j'ai plein de petits savons comme ça. J'adore les savons. Ça sent trop bon. Donc, c'est un savon bio 100% végétal au lait d'anesse, comme ça. Super. Franchement, merci beaucoup, ma belle, de me faire découvrir des produits comme ça. Et puis, en plus, t'as tapé dans le mille avec le produit pour les pieds parce que j'en ai besoin. Prochain petit paquet. Donc, c'est un paquet qu'elle a fait elle-même, quoi. C'est génial, regardez. Franchement, bravo. Avec les petits détails comme ça et tout ici. Donc après, j'ouvre comme ça avec le scratch. Une petite boîte. Franchement, top quoi. Et à l'intérieur, il y a ça. Donc on a une petite boîte bleue comme ça. Magnifique. Franchement, vraiment trop trop belle. Et je l'avais vue sur Instagram justement. Je lui avais dit, ah, c'est trop joli. Regardez, trop bien fait quoi. Enfin, le détail. Bravo ma belle parce que... Vraiment, t'as fait dans le petit détail des choses. C'est juste trop, trop joli, quoi. C'est ça qui fait qu'au moins, voilà, tu fais quelque chose avec ton cœur. Alors, je l'ouvre. Je vais essayer de ne pas l'abîmer. Alors. Ah, j'essaie de l'ouvrir sans tout arracher. Alors, c'est un baume onctueux, nourrissant et réparateur, donc pour le corps, aux karités et aux 5 huiles bio. Alors ça, c'est génial. Oh, ça sent trop bon. Vous voyez, ça sent toujours ces odeurs un peu de sucré, noix de coco et tout, j'adore, moi. Regardez. Super, quoi. Franchement, génial. Donc, du coup, c'est la marque Clémence et Vivien. Je ne connais pas du tout. Belle découverte. Donc, c'est un produit qui n'est non testé sur les animaux et vegan. Donc, super découverte. Merci beaucoup, ma belle. Je vais tester comme ça, voir. Oh, c'est sympa la texture. Oh là là, ça sent trop bon. Je vais me badigeonner de ça sur le corps. Oh, ça sent trop bon. Merci beaucoup. Ensuite, deuxième petit paquet. Donc, c'est un petit paquet comme ça. Trop mignon aussi avec un petit nœud. Donc, c'est routine du soin du visage. Cocooning. Alors, je vais l'ouvrir. Voilà, c'est bien fermé comme ça. Je vais essayer de ne pas tout arracher. Hein. Oh, j'ai perdu l'étiquette. Waouh, alors je sors. Je vous montre après. Parce qu'elle a triché. En fait, elle a mis dans un paquet. Elle en met trois. Hein? C'est pas très réglo, moi je dirais. Alors, oh bah même 4. Oh là 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 là. Bon. Alors, puisqu'à la base, hein, tu mets dans un paquet au moins 4 trucs. Bon. Alors, du coup, nous avons un pinceau en silicone. Oh, c'est génial ça. Vous savez, c'est les pinceaux pour étaler les crèmes. C'est génial, je ne connais pas du tout. Alors, j'ai vu des vidéos justement dessus où vous avez des youtubeuses qui s'étalent les crèmes avec ça. Mais je ne connais pas du tout. Franchement, super à découvrir. Top, quoi. Ensuite, nous avons un gel nettoyant visage. Nettoie et régule sans dessécher. Alors, ça, c'est génial. Parce que moi qui ai la peau très sèche. Alors, ça n'a pas d'odeur en particulier. Mais à tester, top. Moi, j'adore tout ça. Je pense que vous allez l'entendre. J'adore.
Ensuite, un gommage exfoliant, donc à la poudre d'abricot de chez Yves Rocher, donc tout type de peau. Alors, top aussi, à la poudre d'abricot, je ne connais pas. Alors, ça sent pas particulièrement le fruit. Ça sent pas, mais à tester, franchement, ça me fera peut-être re-aimer la marque Yves Rocher, quoi. Parce que c'est à la poudre d'abricot, donc c'est 5 utilisations, gommage exfoliant. J'adore le packaging comme ça fait un peu peau de peinture gouache, je trouve c'est top quoi. Et donc ensuite le prochain produit, donc c'est Instant, donc c'est un masque. Ah bah c'est pour ça en fait le petit pinceau en silicone. Alors, donc c'est un masque pour le visage, donc à étaler avec le petit pinceau, donc c'est génial. Donc il y a le petit percu, je vais l'enlever. Ça sent bon. Tac, donc c'est rose, je vais vous montrer. Regardez, ça fait rose comme ça. Ça sent bon, ça sent le frais. Après ça n'a pas d'odeur forte, mais... ça sent le frais, puis du coup c'est absorbé. Là j'ai plus rien sur la peau, quoi. Ça c'est agréable. Donc du coup ils mettent donc en français. Ah voilà, masque hydrate. Regardez, elle avait mis en rouge. Je vois. Donc c'est un masque soin velouté. Ben voilà, c'est ça en fait. Ça donne un aspect agréable à la peau. Donc, un soin velouté à enlever ou laisser sur la peau qui procure une hydratation instantanée et durable. À utiliser une fois par semaine ou chaque fois que la peau est sèche, déshydratée ou stressée. Bah écoute, je testerai, franchement. Et puis, je vous redirai ce que j'en pense. Mais moi, j'adore. J'adore tout ça, tester des trucs comme ça. C'est génial. Et puis du coup, à mettre avec ce pinceau-là, c'est top, quoi. Franchement, génial. Donc ensuite, on a une petite enveloppe comme ça. Alors du coup, il y a un petit mot. Une fois que tu l'auras essayé, tu ne pourras plus t'en passer. Ah, regardez, trop mimi aussi. Donc ça, c'est quelque chose qu'elle a fait elle-même. Trop mignon. Ça me fait tellement mal au cœur, ma chérie, de déchirer ce que tu as fait. Ah, ça, ouais, c'est vrai. C'est vrai, je connais. J'adore. En plus, c'est doux, ça, quand on le met sur la peau comme ça, c'est trop agréable. C'est un genre de d'éponge microfibre. Alors ça c'est génial, c'est pour, je pense, après tu me diras si je me trompe, mais pour se démaquiller tout ça, c'est top quoi. Moi je sais que j'en ai une, donc c'est très bien parce que du coup comme ça je peux renouveler justement à nettoyer l'autre. Mais c'est génial en fait, vous mouillez ça et vous vous démaquillez avec ce type d'éponge. Je peux vous dire qu'au niveau on va dire prix, même pour après, au niveau rentabilité, on va dire, pour ce qui est démaquillé en coton, ce type d'éponge-là, enfin de gants comme ça, c'est génial. Vous faites des économies de démaquillant de coton, mais un truc de fou, quoi. Donc, c'est génial. Je vais pouvoir laver celle que j'ai et puis utiliser ça. C'est top, quoi. Franchement, et puis j'adore. Comme ça, la texture et tout, c'est trop doux, quoi. Merci, ma belle. Ok, suivant. Donc, ça, c'est une petite trousse comme ça. Trop jolie, franchement elle est trop mimi, regardez, oh, en velours magnifique. Alors, avec une petite fermeture, je vais ouvrir. Oh là là là, t'as mis encore plein de trucs à l'intérieur quoi. Moi je dis c'est de la triche. Regardez comment elle est trop mignonne la petite trousse, franchement j'adore. Et du coup, donc, je commence. Donc là, j'ai un lait à l'amande pour le corps de chez Yelleda. Yelleda, ça me dit quelque chose. J'ai jamais testé. Donc, à tester, c'est génial.
Ensuite, j'ai un soin royal de Bretagne, anti-âge action globale. Ensuite, j'ai un soin confort douce infini. Et donc un soin Yves Rocher, donc soin sébum matifié, un gel crème matifiant à tester pour le visage, à voir, top. Et donc du coup, bah, il y a 1, 2, 3, 4 produits dans un truc, quoi. Je commence. Donc c'est un soin masque exfoliant pour le visage, donc génial. Oh, ça sent bon. Mmh, ça sent trop bon. Je vais regarder le type de texture. Oh, ça sent trop bon. Je suis trop contente de pouvoir tester des choses justement de la Beautiful Box. Parce que c'est vrai que c'est une des boxes que j'ai rarement, enfin que j'ai même pas testé. Et de pouvoir découvrir leurs produits, franchement, c'est une belle découverte, quoi. Mmh, ça sent bon. Ça fait un peu granuleux et tout, donc exfoliant. Pas mal à tester. Ensuite, c'est un soin bébé, donc une bébé crème. Alors, une bébé crème, normalement, c'est un thé. Alors, je vais essayer d'en mettre, mais pas non plus. Ah oui. Donc, ça, pareil, c'est un produit bio, parce que je sais qu'elle aime énormément les choses bio. Et justement, moi, ça me... Je disais que j'aimerais bien découvrir des choses bio. Ça sent pas d'odeur, donc une CC crème, c'est bien. Aussi à découvrir. Cadalis. Ah, ça me dit quelque chose, Cadalis. Je me demande si je ne l'ai pas eu dans une box déjà, un produit de cette marque. Donc, c'est un masque purifiant onctueux en édition limitée. Je ne connais pas du tout. Voilà. Donc, ça fait un peu un masque épais. Je vais vous montrer. Oh, j'en ai mis trop. Bon, c'est pas grave, je vais me masquer la main. Regardez, ça fait un masque comme ça. Alors après, il faut voir. Mmh. Oh, ça sent bon. Moi, j'adore tout ça. Donc, ils mettent quoi? Masque... Ah, c'est à la banane et à l'argile jaune. Ah, bah, c'est pour ça. Il y a cette odeur sucrée. Oh, c'est top en plus. Vous voyez, ça... il n'y a plus rien sur la peau, quoi. Mmh, j'adore. Ensuite... nous avons un... alors, c'est Compagnie des Indes. C'est un soin essentiel. Masque contour des yeux. Ah, c'est génial. Hop. Alors, je vais sentir. C'est pareil, hein, moi, tout ce qui est produit pour les yeux et tout ça. Là, justement, j'en finis. J'ai un stock là-bas que je suis en train de terminer. Là, ça n'a pas... d'odeur en particulier à tester, à voir, mais la texture a l'air vraiment agréable. Je vais essayer, puis je vous redirai dans mes produits terminés. Le paquet suivant, alors dans une petite trousse comme ça, trop mignonne, hein, franchement trop jolie. Et je l'ouvre, hein. Alors je vais enlever ça. Voilà. Waouh, regardez à l'intérieur. Donc j'ai un petit... oh là 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 là, voilà. Je vais vous montrer après. J'ai un petit paquet comme ça. Donc je vous lirai ce qu'il y a. Et puis là, waouh. Alors, trop joli. Donc ça, ça reste là. Regardez, un petit paquet avec une licorne. Parce qu'elle sait que je suis fan des licornes, des arcs-en-ciel, de tout ce qui est pailleté. Voilà. Trop joli. Alors, je vais essayer de l'ouvrir sans tout arracher. Donc, elle met, mais l'automne est bien installé. Il faut que tu... alors, il fait très froid déjà, mais l'hiver arrive à grands pas. Il est donc très important de t'hydrater. C'est vrai, mais franchement, le paquet est trop joli, quoi. Ouais, trop mini. Ma fille, elle l'a vu tout à l'heure. Elle fait, oh, une licorne. Je fais, non, ouf, pas, va pas m'arracher tout. Alors, je vais essayer de l'ouvrir, sans faire comme Lilou de tout arracher. Hein. Wow! Alors, je vais mettre le paquet là. Donc, c'est une huile à la lavande et à la figue. Oh là là, ça doit sentir trop bon. Sainte Victoire, crème pour les mains. Oh, génial!
à l'amande, donc c'est à la figue et à la lavande, huile d'olive karité. Alors ça doit sentir trop bon. Je vais vous montrer après. Je me la mets sur la main, excusez-moi. Hop. Oh, ça sent trop bon. Vous voyez, je trouve que l'odeur de la figue, elle ressort plus que l'odeur de la lavande. Oh, ça sent trop bon. Je connais pas du tout cette marque, franchement. Belle découverte. Et puis, je trouve que le packaging, il est trop joli. Regardez. Trop beau, hein? Oh là là, sympa. Franchement, merci, quoi. Ensuite, deuxième petit paquet, ma chérie. Oh, regardez, en plus, avec le papillon. Regardez. Trop mimi, quoi. Franchement, trop mimi, le papillon. Donc là, ma chérie, donc, est-ce que ça te dit un petit voyage en Orient? J'espère que ton escale te réjouit. Ah, donc c'est un produit un peu oriental. C'est génial, j'adore. Oh, alors... C'est un produit bio, donc un savon noir. Ah, c'est génial ça. Donc en fait, dans les produits rituels, il y a exactement ce type d'odeur comme ça. C'est des odeurs trop sympas, trop agréables. Franchement, j'adore. Et puis le savon noir, justement, j'ai testé avec la marque Rituel. J'adore quoi. Franchement, l'odeur, elle est juste top. Du coup, je ne connais pas du tout cette marque-là. Ça va être vraiment chouette à tester. Ouais, parce que j'ai vraiment découvert ce type de savon noir et tout ça avec Rituel. Et là, tester ça, franchement, c'est génial. Donc là, c'est une boîte comme ça qui est très, très lourde. C'est pareil, hein, elle a triché. Hein, parce qu'elle a mis plusieurs choses dedans. Alors, j'ai fait ce swap avec tout mon cœur et toute mon âme. Oh, regardez comment c'est trop gentil, trop mimi. Moi aussi, ma belle, je l'ai fait avec vraiment mon cœur. Voilà, j'espère que ça te plaira aussi. Alors, du coup, à l'intérieur, donc j'ai un livre, c'est Au nom du roi. Donc, c'est un... Donc, à découvrir, je ne connais pas du tout, Au nom du roi. Donc, je vous montre comme ça. Donc, merci beaucoup. Donc, c'est un livre de Rosemary Surcliffe. Excusez-moi si j'écorche. Donc, super, merci beaucoup. Je te dirai ce que j'en pense. Ensuite, j'ai un livre, La Mélodie et le Clochard. Mélodine et le Clochard. Donc, à découvrir, merci beaucoup. Je te dirai aussi ce que j'en pense. J'adore ça. Et ensuite, on a Automne Pousse, donc un livre aussi. Donc, c'est Marcelo Argili. Donc, super. Moi, je lui disais, j'aime énormément lire aussi. C'est vrai que j'aime bien me poser et puis lire un peu de temps en temps. C'est agréable. Merci beaucoup, ma belle. Et là, alors là, on a des petits paquets. Alors, ouh, ça, c'est dans une petite pochette comme ça. Faites main, hein. Et à l'intérieur, donc nous avons un baume, donc c'est un baume irritation, donc c'est un baume hydratant. Hop, je vais regarder. Ça sent trop bon quoi. La roche posée, alors je connais bien la roche posée pour tout ce qui est soin de la peau, soin solaire et tout ça. Donc, c'est une très bonne marque. Donc, à découvrir. Merci beaucoup. À tester. Ensuite, ça, c'est pareil. Hein, il y a 36 000 choses dedans. Hein. Ensuite, nous avons un lait frais hydratant. Donc, revitalisant pour les peaux normales à sèche. Donc, je vais sentir. Oh, ça sent bon. Oh, j'adore, moi, tout ça. Donc, à tester. Donc, c'est un soin donc, aux huiles de camélia et au beurre de moringa. Donc, tout ce que j'aime. Et là, nous avons une eau de thym. Alors, une eau de thym, je ne connais pas du tout. Je vais regarder. Oh, ça fait comme un fond de thym.
Alors, je vais vous montrer. Une eau de thym, donc c'est aux extraits biotaniques. Donc c'est un, donc à appliquer une noisette sur la peau. Ouais, en fait ça fait comme une bébé crème, un fond de teint, regardez. Oh, super sympa à tester. Regardez. Bah, écoute, moi ce que je ferai, c'est que ma prochaine vidéo là, et ben je mets ces produits là et puis du coup je vous dirai ce que j'en pense. Mais une eau de thym, je connaissais pas du tout. Et donc là, du coup, j'ai un petit paquet comme ça avec des petits flamants roses. Donc, génial. Je vais l'ouvrir. Et à l'intérieur, à l'intérieur, donc j'ai une crème contour des yeux à la coco et aux extraits d'orange. Ça, c'est terrible, quoi. Alors. Oh, c'est marrant, ça fait c'est une crème contour des yeux, mais ça fait une texture, enfin ça fait un peu une coloration comme une bébé crème, regardez, ça fait coloré. Alors est-ce que ça serait un anti-sème bébé crème? Ouais, oh, sympa, original, à tester, à voir. En tout cas l'odeur et la texture, j'aime bien. Et ensuite, donc c'est une poudre gommante Extrait Power, transforme la peau, une poudre gommante. Alors ça, je connais pas du tout non plus. Du coup, qu'est-ce qu'ils mettent? Donc c'est une poudre, ben, ils mettent poudre gommante, exfoliante, transforme la peau. Ben, écoute, à tester, je vais regarder. En fait, je pense que ça fait un peu comme une poudre de finition. Regardez, sympa. Ben, je vais la mettre après quand je me serai maquillée avec mon fond de teint et tout. À tester, à voir. Ben, super, franchement top. Je suis trop contente de pouvoir tester comme ça des produits. Super quoi. Merci beaucoup ma belle. Le paquet suivant. Alors, du coup, ça se présente dans un paquet comme ça. Oh, alors. Oh, dans Simone's Nuit d'été, romance. Alors ça, c'est génial. Donc c'est un livre, un roman. Parce que justement... Oh là 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 là. J'adore. J'adore, je vais vous dire pourquoi j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Parce que c'est mon cinéaste. Enfin, j'adore cet écrivain. Enfin, qui a fait... Après, c'est sorti des films. Stephen King. Voilà, j'adore Stephen King, j'adore ses livres, j'adore ce qu'il a fait. Enfin, après les films Christine, Le Cimetière, Carrie, tout ça, j'adore lire ses livres et après voir ses films, c'est génial. Merci beaucoup, ma belle. Je vais le prendre demain et puis au travail, je vais le lire, quoi. En plus, je connais pas du tout Une Nuit d'été. Franchement, alors là, j'ai vu tous les films une soirée, je me suis tapé tous les films de Stephen King, ça me dit rien. Alors ça, franchement, je vais regarder puis voir après si je peux pas le voir en film, quoi. Franchement, merci beaucoup. Et là, je prends le dernier colis. Oh. Alors, j'ai pris, il est beau, hein. Il est dans une petite boîte comme ça. Regardez qu'elle a fait elle-même aussi, en feutrine comme ça. Magnifique, et il y a petite boîte que j'ai remplie avec des petites choses pour te faire une routine des mains. Comme je n'avais pas assez de place pour tout ranger, j'ai fait une petite boîte licorne. C'est vrai. Allez, hop. Oh, regardez, oh, plein de bonbons. Alors ça, mon fils, il adore. Les têtes brûlées. Alors ça, il adore. Lilou, après, des fois, elle tombe sur des goûts. Alors ça, c'est choc thermix. Je sais pas c'est quoi comme goût. Alors Lilou, des fois, elle tombe sur des goûts. C'est vraiment fort. Moi, j'ai jamais testé parce que ça me fait peur quand je vois la tête de mes enfants. Mais génial, des petites têtes brûlées comme ça, il y en a plein. Ensuite, à l'intérieur, on a un petit lipstick. Oh là là, ça sent bon ça, c'est quoi? My Twin Stick et moi. Source d'amour.
Donc c'est un petit lipstick parfumé. Donc apparemment c'est un parfum solide. Oh, ça sent trop bon. J'adore ces odeurs un peu de mentholé. Ça sent trop bon, un petit parfum comme ça, solide, top. Ensuite, je fouille parmi les bonbons. Des fois qu'il y aurait des choses pour maman. Alors là, nous avons un petit, donc c'est quoi? Je sais de lire, je suis pas forte avec mon anglais un peu pourri. The original made install of... c'est un truc pour les mains, les ongles. Bon, les mains, bon, je ne saurais pas vous dire parce que je ne comprends pas. Alors, N is nail. Donc, nail, c'est les ongles. Je pense que c'est les mains et les ongles. Excusez-moi, hein, je ne sais pas bien. Donc, à tester. Merci beaucoup. Ensuite, donc, nous avons un... Donc, c'est Nourish. Donc, à l'huile d'argan, Nourish in the Go. Donc, c'est une huile hydratante universelle, combat les imperfections du signe de la vieillisse, du vieillissement. Ah, ben oui, mais ça, c'est pour les mains. Ça doit être un bouquin, justement, sur son petit message, elle mettait les mains. Donc, ça doit être nail. Je sais que c'est les ongles. Donc, ça doit être une crème à base pour les mains et les ongles. Excusez-moi, des fois, la fille, elle a du mal. Hein. Et là, justement, c'est un soin pour les ongles. Donc, c'est génial. Parce qu'en plus, moi, j'ai les ongles. J'aimerais. Mon mari me dit, oh, laisse-toi pousser les ongles. C'est joli. Vous savez, les hommes. Mais je lui dis, moi, au bout d'un moment, quand ils sont trop longs, ils cassent, ils se dédoublent et tout. J'arrive pas à les faire pousser. Donc, je vais essayer avec ça. Voir ce que ça donne. Mon mari sera peut-être content. Et donc ensuite, oh là là, il est trop joli. Ah ben c'est dommage, j'ai rien pour pouvoir le couper et voir, mais franchement, il a l'air trop joli. Regardez, un vernis comme ça, un peu effet bleuté vert, franchement, il est magnifique quoi. Donc à tester, bah franchement, je le mettrai dans ma prochaine vidéo, comme ça je vous montrerai. Mais il a l'air trop joli, ouais, ça fait un peu, c'est la couleur émeraude, donc vert bleuté. Donc magnifique, super. Et là, hop, du coup, je vais prendre. Alors, hop, voilà. Donc c'est un exfoliant main. Donc avec son. Ah, mais exfoliant de main avec son aimant. La force magnétique pour des mains sublimes et douces. Oh, je connais pas du tout innovation. On va tester. Oh, je connais pas du tout. Franchement, à découvrir, c'est vraiment génial, quoi. Super, franchement, top, 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 top. Donc, du coup, il n'y a plus rien. J'adore, moi, les soaps pour ça, quoi. C'est Noël. C'est super. Donc, sur ce, je vous dis à très bientôt. Donc, j'ai été vraiment, mais très, très, très contente de faire ce swap avec Anne-Claire. Donc, n'hésitez pas à aller sur sa chaîne, bah, voir aussi par rapport à mon swap ce que je lui ai envoyé. N'hésitez pas à vous abonner aussi à sa chaîne parce que vous allez pouvoir suivre quelqu'un vraiment d'exceptionnel, de très sincère. Enfin, voilà, une personne entière adorable. En tout cas, moi, merci beaucoup, ma belle, parce que ça m'a permis de pouvoir découvrir des choses que je ne connaissais pas et de lire beaucoup de choses aussi qui m'intéresseront, qui me passionnent, comme justement ces atomes poussent. Donc, je vais découvrir. Merci beaucoup. Et puis, d'avoir pris les choses pour mes cheveux, parce que justement, tu sais que je suis une adepte des produits cheveux. Donc voilà, vraiment, vraiment merci beaucoup d'avoir pris le temps de faire ce swap avec moi, d'avoir vraiment accepté déjà et d'avoir fait quelque chose qui nous ressemble. Vraiment merci beaucoup et puis sur ce, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à cliquer sur le pouce bleu, à vous abonner à la chaîne. Je vous embrasse et puis je te dis à très bientôt ma belle. En tout cas, j'ai découvert vraiment une personne extraordinaire qui est aujourd'hui devenue même une amie quoi. Voilà, sur YouTube on fait des vraies et des belles rencontres, donc voilà, c'est pour ça aussi que, comme je l'ai appelé, le swap du cœur. Je vous embrasse et puis je vous dis à très bientôt.